Otep, mbote, jambo amo, sa vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs, benzo nazanete, nous voyons vous tous, asumina, vous tous, ma famille, la famille. Kamit, j'espère que vous allez bien, vous êtes tous heureux de me suivre à nouveau pour cette podcast channel. Aujourd'hui, nous allons donc faire la fin du chapitre Le Noir et le langage et le noir. Bref, du livre de Frantz Fanon pour Noir Masque Blanc. C'était un chapitre très important pour comprendre la méthode du langage, du vocabulaire que le locodème emploie pour manipuler le mélanoderme. Aujourd'hui, vu que le dernier passage qu'on va lire sera assez long, on va aller tout de suite dans le game. Donc, je vous inviterai à liker et à partager massivement cette séance. Du moins, les plus courageux, les plus forts, les plus volontaires. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus trop volontaires pour que ce combat se fasse de manière égale. Comme j'ai dit, moi je lutte contre le faux panafricanisme, le faux, la fausse vision Camille. On se bat pour la vérité, pour montrer le vrai problème du mélanoderme, pour que le mélanoderme se requestionne derrière. Et c'est pour ça que nos séances de lecture sont très importantes. Effectivement, YouTube peut ne pas être en accord avec le message et c'est pour cela que voilà, les boutons peuvent être tournés, mais c'est pas seulement la faute de YouTube, il fait son travail, c'est aussi la faute des mélanodermes eux-mêmes. Ils ne veulent pas écouter la vérité, ils voient le titre, après ils s'en fichent, ils s'en foutent, ils partent. Après ils pleureront demain, oh là là, le locoderme fait ci, il fait ça. Si nous continuons à être indifférents à notre histoire, je ne sais pas ce qui pourra arriver plus tard. Effectivement, je reste optimiste parce que nous sortirons d'affaire, mais il est important de receler le problème qui nous est donné. Parce que si nous ne connaissons pas le problème, la solution sera difficilement atteinte. On aura du mal à atteindre la solution. On atteindra bout par bout alors qu'on a l'idée qui peut nous la faire sortir. Clairement. Donc, on va commencer. Je rappelle qu'il y a donc quelques mois, ça fait quand même un long moment, on avait donc fait la séance sur les noirs et le cinéma. Comment est-ce que le cinéma représentait le mélanoderme? Les rôles que jouaient et jouent les noirs, ça ne va pas changer les mêmes rôles, le même tournant, le même firmament, la même situation. Et même quand on les met en rôle principal, il faut toujours que le gars, si c'est une femme mélanoderme, et l'homme, si c'est un homme mélanoderme, il faut toujours qu'il y ait une femme locoderme, un homme locoderme pour les tenir compagnie. Ou peut-être que c'est eux qui seront un peu, oui, seront les compagnons de cette histoire. C'est tellement idiot que ça, c'est le moteur du système. Effectivement, on remarque que ce n'est pas une histoire qui date d'il y a les années 2000. Parce que il y a les gens, la génération 2000, les gens actuellement, ils vont se dire, oh, c'est depuis 2000, mais. Comme je vous ai montré, comme je vous ai montré il y a quelques mois, c'est vrai que je me rappelle plus. Effectivement, je vous ai dévoilé que c'est des choses qui se faisaient même dans les années 60 ou 50, dans les vieux films. Il y avait toujours le mélanoderme, surtout les hommes à cette époque, et avec la femme locoderme, ou souvent la femme mélanoderme sauvage, effectivement exotique, exotique qui veut dire sauvage, qui était dénudée, le locoderme qui devait la sauver ou sauver la sauvageonne, etc. On y reviendra bientôt. Effectivement, on parlera du métissage. Et là, vous voyez la parodie dans les livres d'aventuriers sauvageons du Néandertal. Donc, on découvre tous ces phénomènes. Donc, aujourd'hui, on va essayer de comprendre et de finir ce chapitre. On comprendra au mieux le problème de nos frères et nos sœurs. Et on en finira avec le noyau du langage. Bref, allons-y. Je vais rappeler les paragraphes de la dernière fois. On retrouve peut-être là l'origine des efforts des Noirs contemporains. Coûte que coûte, le pauvre blanc, dont on est en détail le locoderme, au caucasien, l'existence d'une civilisation mélanoderme. Le mélanoderme doit, qu'il le veuille ou non, endosser la livrée que lui a faite le caucasoïde européanus. Regardez des illustrés pour enfants. Les nègres ont tous à la bouche le wimissier rituel. Au cinéma, l'histoire est plus extraordinaire. La plupart des films américains synchronisés en France reproduisent les types de points, j'ouvre les guillemets, yabon banania. Dans
un de ses films récents, Requin d'acier. On voit un nègre naviguant dans un sous-marin, parler le jargon le plus classique qui soit. D'ailleurs, il était bien nègre, marchant derrière, tremblant au moindre mouvement de colère de quartier-maître, et finalement tué dans l'aventure. Je suis pourtant persuadée que la version originale ne comportait pas cette modalité d'expression. Et quand bien même elle aurait existé, je ne vois pas pourquoi en France démocratique, où 60 ou 60 millions de citoyens sont de couleur, du moins c'est vraiment un mauvais mot, mais bon, on continue la lecture, on synchroniserait jusqu'aux imbécilités d'outre-Atlantique. C'est que le nègre doit se présenter d'une certaine manière, depuis le noir de sans pitié, deux points, je vois les guillemets. Moi, bon ouvrier, jamais menti, jamais volé. J'ai fermé les guillemets jusqu'à la servante du duel au soleil. On retrouve cette stéréotypie. Oui, au mélanoderme, on demande d'être un bon négro. Ceci posé, le reste vient tout seul. Le fait par les petits nègres, c'est l'attacher à son image, l'engluer, l'emprisonner, victime éternelle d'une essence d'un apparaître dont il n'est pas le responsable. Et naturellement, de même qu'un juif qui dépense de l'argent sans compter et suspect le noir, qui cite Montesquieu, doit être surveillé. Qu'on nous comprenne, surveillé. Dans la mesure où avec lui commence quelque chose. Et certes, je ne prétends pas que l'étudiant noir soit suspect à ses camarades ou à ses professeurs. Mais en dehors des milieux universitaires, subsiste une armée d'imbéciles. Il importe non pas de les éduquer, mais d'amener le noir à ne pas être l'esclave de leur archétype. Que ces imbéciles soient le produit d'une structure économico-psychologique, nous l'accordons seulement, nous n'en sommes plus avancés. Quand un nègre parle de Marx, la première réaction est la suivante. Deux points, je vous les guillemets. On vous a élevé. Et maintenant, vous vous retournez contre vos bienfaiteurs. Ingrat. Décidément, on ne peut rien attendre de vous. Je ferme les guillemets. Et puis aussi cet argument massue du planteur en Afrique. Notre ennemi, c'est l'instituteur. Ce que nous affirmons, c'est que l'Européen a une idée définie du noir. Il n'y a rien de plus exaspérant que de s'entendre dire, j'ouvre les guillemets. Depuis quand êtes-vous en France? Vous parlez bien le français? Je ferme les guillemets. On pourrait me répondre que cela est dû au fait que beaucoup de Noirs s'expriment en petit nègre, mais ce serait trop facile. Vous êtes dans le train, vous demandez. Pardon, monsieur, voudriez-vous m'indiquer le wagon? Restaurant, s'il vous plaît? Oui, mon ami. Il y en a à prendre au couloir tout droit. Un, deux, trois, c'est là. Donc, ici, Frantz Fanon veut dire quelque chose de très, très, très important. Donc, le locoderme a une idée définie du noir. Donc, ça veut dire que c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. L'idée qu'il a de vous, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Mais moi, j'essaie plus d'expliquer pourquoi, mais c'est vrai, il n'y a plus rien à faire. Et comme Carnegie l'a dit, ça va en degrés. Du degré le plus fort, le degré le plus faible. Mais dans leur subconscient, quel est le conscient réel, dissimulé, caché? Ils savent ce qu'ils pensent de vous. Ils savent ce qu'ils pensent de vous. Ils savent ce qu'ils pensent de vous. Souvent, il suffit d'une occasion. Et quand l'occasion vient, alors ce qui est masqué revient. Et c'est fini. C'est là que vous vous rendez compte que, effectivement, tout est dans le cache, tout est dans le masqué, tout est dans le secret, tout est dans la dissimulation, comme avait dit le professeur Regnier. Il suffit qu'une situation se passe pour que le côté d'intensité extrêmement faible de négrophobie qui était dissimulé monte au niveau 100. Et là, vous vous rendrez compte qu'en fait, ils sont les mêmes. Donc, ne vous endormez pas si vous l'auriez. Les noirs en couple mixte, les noirs avec les amis locoderme, les noirs au perché perdu, ne vous endormissez pas. Et donc, ce qu'il dit ici est très important. Comme il a une idée définie de vous et que ça ne changera pas, peu importe les générations, parce que ceux qui disent que c'est les gens des années 80, des années 70,
Les générations 90-2000 sont pareilles. Les générations 90-2000 pensent comme les vieilles générations, en fait. Et qu'on vous le dise ou pas, c'est la continuité génétique parce que c'est une histoire, une transmission génétique. C'est ça qu'on appelle système de génération, dont l'enfant qui naîtra du leucoderme va, dont le leucoderme va transmettre ses gènes, donc son entité, puisque son enfant c'est lui. Son enfant c'est lui en fait. Donc il vient avec tout, tous les éléments en fait. Peut-être que le père était masqué dans sa vie, et peut-être que l'enfant ne sera pas masqué. Mais ce n'est pas que ce n'est pas son enfant, c'est que c'est la phase dévoilée de son père ou de sa mère qui était masquée, et que dans cet enfant, lui, il est juste cette image visible de ce que la famille masquait. J'espère que on se comprend tous. Donc il dit que il y a cette phrase que le locodème est toujours en mode. Oh, vous parlez bien le français parce que bon, pareil que quand vous êtes mélanoderme, vous ne savez pas parler le éphérien, vous ne maîtrisez pas la langue. Et comme je l'avais donné avec plusieurs exemples, notamment mon exemple favori qui est Aimé Césaire, son français dépassait celui des Français. Et même Seda Senghor, le traître, le traître surpuissant, les Achille Bembe et conneries, leur français dépasse même celui des Français. Et ça n'est même par moments assez effrayant. Ils maîtrisent les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire ils maîtrisent le langage soutenu, le langage masqué, implicite, explicite. Ils en maîtrisent les codes. Après, maintenant, ça dépend de celui qui veut l'utiliser. Ça dit dans la vision de Seda Senghor, il a utilisé pour continuer la vision locodermique. Et Aimé Césaire, c'était l'inverse, mais dans la naïveté. Maintenant, je n'ai pas encore vu un qu'il a utilisé, mais dans la vision de lutter contre le locoderme. François Fanon n'était pas totalement, c'est-à-dire, il était assez vif dans ce qu'il disait, mais en même temps, il était assez embrouillé. Parce que François Fanon, dans sa particularité, c'est un métissé de peut-être deux ou trois générations ou deux ou une génération. Du coup, sa terminologie sera un peu floue par certains moments. Par moments, c'est brut et sec, effectivement. Mais effectivement, l'impact n'a pas été assez clair. Voilà. Je ne parlerai pas de Cheikh Anta Diop, lui-même, il a été flou. Parce qu'il s'est métissé. Et donc, sa teneur linguistique ne pouvait pas amener à être assez franc, même si effectivement le locoderme l'a classé comme ennemi. Mais effectivement, c'était par rapport à son intelligence qu'ils ont classé Cheikh Anta Diop comme ennemi. Et c'est ainsi avec la locodermie, parce qu'ils ont peur et c'est des esprits dans la peur. Donc, il dit, on pourrait me répondre que cela est dû au fait que beaucoup de Noirs s'expriment en petit nègre. Lorsqu'il dit cette phrase, ça veut dire que on s'attend du mélanoderme, quand il parle éphérien, qui parle comme l'exemple que j'ai lu tout à l'heure. Oui, mon ami, toi, il y en a, prendre au couloir, tout droit, un, deux, trois, c'est là. Mais quand un mélanoderme ne répond donc pas de cette manière, cela choque, cela brusque, parce qu'ils se disent, qui est donc ce négro? Parce que il ne correspond pas à la typologie de mélanoderme qu'on a l'habitude de voir, de rire et d'en rire. Parce que celui-là peut être dangereux. Mais quand vous répondez à ça, comme cet exemple, pardon monsieur, voudriez-vous m'indiquer le wagon restaurant s'il vous plaît? Et que vous répondez à oui mon ami, toi il y en a à prendre au couloir tout droit, un, deux, trois, c'est là. Quand ils écoutent ça, ils se disent, ils sont rassurés. Donc, vous pouvez passer un petit mot là, c'est-à-dire quand vous êtes. Imaginez, bon, je suis locodère. J'entends le mélanoderme parler en bon petit nègre. Et donc, je comprends qu'il ne comprend pas donc techniquement. Le fait rien. Et quand il me fait cette phrase, effectivement, j'en ris dans mon cœur. Et je vais placer un petit mot. Un petit mot là, que le mélanoderme ne comprendra pas. Parce que je sais, par son expression et son langage, du moins son niveau de fait rien, qui comprend pas le faire. Entrez dans la tête du locoder. Tic-toc, tic-toc, vous allez voir. Donc, du coup, François Fanon dit ceci. Non, parler petit nègre, c'est enfermer le noir, c'est perpétuer une situation conflictuelle où
Néandertal typocazoïde européanus infeste le mélanoderme de corps étrangers extrêmement toxiques. Donc, c'est-à-dire que le mettant dans ce stéréotype, dans cet archétype continuel, parce que pour lui, c'est fini, c'est comme ça que le mélanoderme. Donc, du coup, il crée pour l'éternité de son éternité mentale, donc de la folie du néandertalien typocazoïde, le conflit permanent. Il sait qu'il est haut par rapport à vous. Et donc, effectivement, ça continue à créer cette atmosphère néfaste, putride, toxique, et terrible, terrible, que peu de mélanodermes veulent voir. Ils ont peur, les mélanodermes, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas voir. Ils vont vous citer souvent François Fanon, soit tu trahis, soit tu... Bon, ouais, ce que je veux dire. Mais au fond, est-ce qu'ils avaient compris le message? Est-ce qu'ils avaient compris le message de Fanon? Je pense pas. Je pense pas qu'ils ont compris. Je pense qu'ils ont lu deux, trois phrases là, comme ça, de ce livre. Et après, ils ont dit, ouais, la vie est peace and love and again, you know. Alors que c'est faux. Un petit truc pour eux, c'est un indice qui va les mettre en hauteur. Ils adorent souvent voir les mélanodèmes qui parlent comme ça. Pour eux, c'est la joie suprême. C'est la joie suprême, la jouissance. Donc, on continue. Donc, rien de plus sensationnel qu'un noir s'exprimant correctement. Car vraiment, il assume le monde, le codermique type caucasoïde européanus. Il nous arrive de nous entretenir avec des étudiants d'origine étrangère. Il parle mal le français. Le petit Crusoé, alias Prospero, se trouve alors à son aise. Il explique, renseigne, commente, leur prend leur cours avec le noir. L'ahurissement est à son comble. Lui, il s'est mis à la page. Avec lui, le jeu n'est plus possible. Il est une pure réplique du caucasoïde européanus. Il faut s'incliner. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire que quand le caucasoïde européanus, on va prendre le cas de ce petit garçon qui s'appelle Crusoé, le petit Crusoé, donc Prospero. Prospero, c'est un locoderme éphérien lambda, qui sait que il est assez doué comparé à ses étudiants, ses camarades étudiants étrangers. Donc, il va se dire, oh my God, je maîtrise la langue éphérienne. Et donc, ces petits-là, effectivement, ils comprennent pas le français. Je vais venir devant eux, je vais les expliquer. Je serai le maître, comme le maître et l'esclave. Et donc, du coup, il va expliquer. Et ces gens vont le voir comme quelqu'un de merveilleux, un peu comme un maître, un sauveur, une lumière. Dont la maladie de la hauteur du locoderme. C'est une maladie, c'est sa maladie du locoderme, sa maladie génétique. Et donc, du coup, c'est ce que font les ONG. Ils viennent chez vous, là, ils viennent chez nous, et ils viennent jouer les gars qui vont nous soigner, ils nous font ce qu'on appelle le bidouillage médical, et nous, on est là en mode, Oh my God, you save me! Oh my God, you save me! Alors qu'il a fait un bidouillage, il a mis des effets placebo, vous êtes là en mode, oh, alors que quand ils vont partir d'ici 2-3 mois, oh my God, je sais pas pourquoi, je suis sick again. C'était du placebo pour votre confiance, pour que vous indiquiez où est la mine d'or en fait. Et vous avez indiqué où est la mine d'or? Où est la mine d'or? Magnifique, magnifique. Et donc il dit, avec les mélanodermes, qui donc a compris, quand c'est le mélanoderme qui comprend, donc le mélanoderme à la mode Aimé Césaire, ou on va dire le mélanoderme qui a compris les codes montant, descendant de la linguistique éphérienne. Alors, Prospero, alias Prospero, dont le petit Crusoé, comme il dit, il va s'incliner. Il va se dire, avec lui, il n'est plus possible de faire des petits jeux de langage implicite et comprendra tout. Il a compris. Et là, c'est le piège. Maintenant, comment est-ce que le codin va procéder? Comment est-ce qu'il peut procéder face à un mélanodème qui comprend la linguistique? Moi, quand je vois les gens comme Achille Bembe, c'est des gens qui comprennent la linguistique. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont accepté de travailler avec le codin? Parce qu'il est intimidé par la locodermite.
Il est intimidé par la génétique du locataire. Il est intimidé par la hauteur et la puissance. Il est affaibli. Il était kryptonisé par cet effet subliminal. C'est comme ça. Il suffit qu'il soit locataire, mais c'est fini, le jeu est fini. Mais quand tu as toute ta dette, même la locodermite ne suffira plus. Il suffira plus qu'il soit locoderme. Ça ne sera plus un moteur valable. Vous comprenez? Donc, on comprend, je continue la lecture. On comprend après tout ce qui vient d'être dit, que la première réaction du mélanoderme soit de dire non à ce qui tente de le définir. On comprend que la première action du noir soit une réaction, et puisque le noir est apprécié en référence à son degré d'assimilation, on comprend aussi que le débarqué ne s'exprime qu'en français. Vous voyez, le degré d'assimilation. Souvent, c'est vrai qu'il y a des personnes, ils ont appris la langue éphérienne. C'est vrai qu'ils ne maîtrisent pas aussi souvent le langage implicite. Vous savez, il y a des gens, ils maîtrisent la langue éphérienne de tout niveau. Mais il y a souvent des codes dans la linguistique éphérienne que vous ne maîtrisez pas. Ce qui peut faire en sorte que vous tombez toujours dans les pièges que sont l'égalité, l'assimilation, l'intégration. Et donc, du coup, vous tombez facilement dans le piège. C'est ce qui arrive à beaucoup de mélanodermes qui pensent avoir compris la langue éphérienne, mais qui n'ont rien compris au système éphérien, qui n'ont rien compris à la situation du locoderme. Ce qui est bien avec l'Asie en général, c'est que vous aurez beau venir, apprendre tout et tout, tout le monde saura que vous ne serez jamais un Asiatique. Il y a envie de dire, oh oui, vous êtes juste l'étranger qui parle japonais, chinois, hindou, etc., indonésien, pakistanais, etc. Mais techniquement, vous n'avez pas la tête d'un Asiatique oriental. Donc, le golfe asiatique qui va effectivement des péninsules sibériques, qui va de la partie branche yeux bridée caucasoïdale, avec des métissés, effectivement, qui sont là de génération en génération, et des mélanodermes de génération en génération, donc depuis la création de cette situation. Et on a effectivement l'Asie arabique, dont l'Asie persique, effectivement. Ils savent que vous n'êtes pas de chez eux. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous ne serez jamais intégré. Parce qu'ils sauront faire la différence à jamais. Ils peuvent vous mettre dans des hauts postes, mais vous serez à jamais l'étranger en fait. L'étranger à jamais. Il faut accepter, c'est une réalité. Au moins s'ils ne mentent pas, ils le nient pas en fait. Pas comme les pays occidentaux. Ils sont obligés de mentir. Ils sont obligés de mentir en fait. Que vous appartenez à leur rang. Alors que vous n'appartenez à rien en fait. Mais ils mentent trop. C'est peut-être ça un peu le problème. On ne dit pas que les hybrides ne font pas pareil, mais les Occidentaux, ils mentent beaucoup. Ils mentent eux-mêmes. Voilà. Continuons la lecture. Donc, du coup, ils réalisent un nouveau type d'homme qu'il impose à ses camarades, à ses parents, à sa vieille mère qui ne comprend plus. Il parle de ses liquettes, de la bicoque, en désordre de la baraque, tout cela agrémenté de l'accent qui convient. Donc, c'est-à-dire qu'il commence à devenir techniquement un francophile, francophone suprême, dans le ton, dans la linguistique, dans le ton, c'est-à-dire que dans sa manière de prononcer les choses, de parler, le rythme est totalement inférieur. Il ne parle pas le wesh-wesh, là. Il ne parle pas les bizarreries féerines, pas le français de France, du français en fait. Comprenez? Donc, ça étonne sa famille, ses parents, ses camarades. Que lui arrive-t-il? Il n'est plus du degré. Ça n'évolue en fait. Ça n'évolue. Dans les pays du monde, il y a des arrivistes. Deux points, j'ouvre les guillemets. Ceux qui ne se sentent plus. Je ferme les guillemets. Il y en a en face d'eux, deux points, j'ouvre les guillemets, ceux qui gardent la notion de leur origine. Donc, on vient dans le vrai problème. Il y a deux types de mélanoderme. Le mélanoderme qui est venu en locodermie, qui maîtrise tout ce que je vous ai dit de la linguistique, machin français, et qui ne se sent plus africain, mélanoderme, rien. Il s'est détaché,
il se dit français. On peut aller jusqu'à, on peut parler, on peut partir jusqu'à l'Angleterre. Le débarquer, il vient, il commence à speak British, so British, you know. Et donc ça dépasse même l'anglais du, de l'anglais de souche. Et il ne se sent plus africain. Il croit qu'il est britannique. Pareil pour les mélanodermes des Amériques, mais encore aux Amériques, vous savez, pouvez parler plus qu'un locoderme, même si c'est l'anglais sauvageon, anglais américain. Vous serez toujours un mélanoderme. Hein? Vous savez de quoi je parle. Donc, pareil pour ceux qui se trouvent en Finlande, au Danemark, en Autriche, etc. Vous restez. C'est-à-dire, voilà. Même si dans votre cœur, vous dites, je ne suis plus comme ça, je parle bien allemand. Ich bin Deutsch. You know? Mais je suis désolée. Je suis désolée, vous l'êtes toujours, vous êtes mélanoderme. Vous êtes Schwarz. Ouais. Mais donc, il parle de cela. Il parle de ceux qui ne se sentent plus mélanoderme, africain, parce qu'ils maîtrisent la langue du locoderme. Et il parle maintenant du duel. Il parle maintenant de l'autre. L'autre qui, même quand il sait qu'il maîtrise cette langue, il sait tout. Mais il sait d'où il vient. Il ne se perd pas. Il ne se perd pas parce qu'il sait. Il sait que tôt ou tard, il sera appelé à l'ordre. Ce d'où il vient. Ce d'où il est. Ce qu'il est. Donc, on continue la lecture. L'Antillais qui revient de la métropole s'exprime en patois, s'il veut signifier que rien n'a changé. Donc, s'il veut montrer qu'il est toujours lui-même. On le sent au débarcadère, où parents et amis l'attendent. L'attendent, non seulement parce qu'il arrive, mais dans le sens où l'on dit deux points. Je l'attends au tournant. C'est-à-dire que, est-ce que quand il viendra en mode, comment est-ce que les Caraïbiens parlent? Ah, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Bon, quand ils disent bonjour, bel bonjour, par exemple, bel bonjour, on attend à ce qu'il vienne en mode, il a gardé sa manière de parler, voilà, des Caraïbes. Mais on ne sait jamais, vous savez, comme il est parti à l'étranger, on ne sait jamais, peut-être qu'il va nous sortir des trucs à la Effet-Rien. Donc, la famille, l'entourage l'attend au tournant. Et donc, il continue en disant, vous pouvez trouver ça bizarre, mais ce sont des cas qui arrivent, pour dire, ah, tu vois, finalement, tu es un benguiste. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Il leur faut une minute pour établir le diagnostic. Si à ses camarades le débarqué dit, deux points, je suis très heureux de me retrouver parmi vous. Mon Dieu, qu'il fait chaud dans ce pays. Je ne saurais y demeurer longtemps. On est prévenu. C'est un Européen qui arrive. Vous voyez, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il suffit de ça. Et c'est vrai, beaucoup de mélanodermes se comportent comme ça. Ils reviennent des pays de locoderme. Et il est en mode, il fait chaud. Hein? Franchement, l'Afrique, ça ne change jamais. Hein? Franchement, vous ne changez pas. Pourquoi l'aéroport, c'est comme ça? Ah là là là. Il commence à prendre un accent quand il le parle. Tellement complexé. Oh, ça peut être aussi parce que, ayant vécu longtemps, ils ont fini par border la manière de parler de ces gens, en fait. Mais c'est le mépris, la manière comment dire, de dénigrer, de parler de chez soi, qui est terrible. C'est pas parce que vous maîtrisez une langue que vous avez le droit de parler de chez vous de cette manière. Et souvent, vous prenez la notion en mot de ah, c'est mon pays, donc du coup, je parle comme je veux. Ça ne veut rien dire. Mais bref, on continue. On est prévenu, c'est un Européen qui arrive. Dans un ordre plus particulier, quant à Paris, les étudiants antillais se rencontrent deux possibilités s'offrent à eux. Deux points. J'ouvre un tiret, deux points. Ou soutenir le monde locodermique type caucasien européanus, c'est-à-dire le véritable monde et le français alors employé.
Il leur demeure possible d'envisager quelques problèmes et de tendre dans leur conclusion à certains degrés d'universalisme. C'est-à-dire, c'est les assimiler, les intégrer. Ceux qui, en débarquant dans le monde européanus, pensent qu'ils vont devenir européanus, de Codermic au Cazoïde, et donc vont coûte que coûte défendre ce monde, défendre cette patrie, vanter cette patrie, comme si c'était la leur, au péril de leur véritable zone d'origine. Ce qui arrive pour beaucoup d'entre nous, ce qui arrive pour beaucoup de mélanoderms. Ce sont des cas qui arrivent. Ils ne mentent pas. Hein. Eh oui, on en connaît, hein, les gars. On en connaît. Hein. Ou rejeter l'Europe. Yo! Et se rejoindre par le patois en s'installant bien confortablement dans ce que nous appellerons l'Umwelt martiniquais. Nous voulons dire par là, et cela s'adresse surtout à nos frères des Caraïbes, que lorsqu'un de nos camarades à Paris ou dans quelques autres villes de faculté s'essayent à considérer sérieusement le problème, on l'accuse de faire l'important. Et le moyen de le désarmer est de s'infléchir vers le monde caribéen en brandissant le créole. Il faut trouver là une des raisons pour lesquelles tant d'amitié s'écroule après quelques temps de vie européenne. Donc, ici, nous vivons dans un monde. C'est-à-dire qu'il y a une dualité qui commence à s'effectuer. On a deux types de cas. Le cas du mélanoderme, pas que caribéen, même s'il ne s'arrête qu'au caribéen. Le cadre du mélanoderme qui, effectivement, va embrasser coûte que coûte la vision éphérienne, dont la FR. Et donc, il va jusqu'à penser qu'il est totalement dans ce monde. Il veut le défendre. On a de l'autre côté. Celui qui sait effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il maîtrise la langue effectivement, mais par moments, il a besoin de ressentir son origine effectivement. Et donc, un jour, ces deux personnes qui sont certes des amis vont se croiser. Et malheureusement, leur vision de la vie qui diffère par rapport à leurs ambitions, l'autre très aliénante, l'autre on ne sait pas si elle est trop aliénée parce qu'il y a souvent des gens qui veulent trop faire mode. J'aime ma patrie, mais en fait, souvent, ils sont les premiers à les trahir. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on a celui qui veut rester dans ses valeurs ancestrales, son originalité, sa provenance, l'autre qui va embrasser l'autre culture. Et étant des amis, bon, ça dépend de comment l'amitié s'est faite. La situation et la réalité de la vie vont les séparer. Et donc, comme il le dit souvent, les amitiés s'écroulent. Vous voyez, beaucoup de personnes ont dû perdre leurs amis comme ça, la sorte, à cause de ces réalités effrayantes, mais réelles. Notre propos étant la désaliénation des Noirs, nous voudrions qu'ils sentent que chaque fois qu'il y a incompréhension entre eux en face du locoderme, il y a absence de discernement. Un Sénégalais apprend le créole afin de se faire passer pour un caribéen. Je dis qu'il y a aliénation. Les entiers qui le savent multiplient les railleries. Je dis qu'il y a absence de discernement. Donc nous entrons ici encore dans un autre cas qui est réel. Déjà de un, c'est vrai. Les mélanodermes doivent arrêter de se disputer entre eux devant l'locoderme. Du moins, par rapport au monde locodermique. S'ils le faisaient, je pense qu'on serait déjà tous sortis d'affaires. Ce qui n'est donc pas le cas. Regardez le cas du Soudan. Regardez avec tout ce qui se passe en Afrique, partout, même dans les zones où il y a les mélanodermes. Devant le locoderme, on agit comme, malheureusement, les négros. Et donc, du coup, on se dispute par rapport à leur mode de vie, ce qui est terrible. Donc, on a là un exemple qu'il prend, c'est-à-dire, il y a un Sénégalais qui, malheureusement, pour se faire accepter dans la société, effectivement, locodermique, parce qu'on sait très bien que les Caraïbéens sont un peu les sous-fifres des Ifériens. Ils sont ce qu'ils appellent les pays d'outre-mer, les Downtown, les pays des occasions du locoderme, pour dire que souvent piéger les petits mélanodermes. À un moment donné, avec vous, vous avez vu le cas de Mayotte, de Wombachou, etc. Vous avez vu ces histoires. Et on a des mélanodermes, alors que cette zone est située étrangement dans
En Afrique, ce sont des îles africaines de base. Et vous avez des mélanodermes en mode chassez-les, chassez ces mélanodermes du secteur, chassez-les, ils sont pas de l'AFR. Ils brandissent le drapeau de l'AFR, pensant qu'ils sont des FRiens, alors qu'ils ne le sont pas. Le locoderme veut juste les utiliser, veut amplifier effectivement ce qu'il appelle son expansion impérialiste avec l'expansion de ses zones maritimes. Et donc, du coup, il ne veut pas perdre cela. Effectivement, même si il se surendette, sont des dettes, voilà, mais c'est plus tard que ça va payer. C'est-à-dire, quand il dit ça va payer, mais dans le sens inverse, donc ils vont tout perdre. C'est-à-dire, il veut continuer la division des Africains entre eux, des mélanodermes entre eux. Par cette parodie du monde, oui, on se rappelle de vous, les gens des îles. Oui, on veut que vous restiez autonomes, effectivement, mais souvent, bon, voilà, etc. L'autonomie n'est pas l'indépendance. Mais certains pays, parce que ce sont des pays en réalité, ou des îles même pour certains, eux, ils préfèrent l'autonomie que l'indépendance. Vous ne serez jamais autonome dans une situation de dépendance. C'est-à-dire, tant que vous resterez dans la zone éphérienne, donc FR, Frenchy Friends, jamais de la vie. Jamais de la vie, vous ne serez autonome. Jamais de la vie, vous ne pourrez prendre vos décisions. Jamais de la vie, vous allez continuer à pleurer. Vous allez continuer à pleurer comme les Dumpton. Vous avez pleuré, par exemple, par rapport au chlordécone. C'est-à-dire, il y a cette histoire de chlordécone, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là, en fait. Personne n'était là. Oui, les Caraïbéens qui ont écouté ça vont se dire, qu'est-ce qu'elle raconte cette fois? Elle ne connaît rien aux histoires des Caraïbes. Je connais autant que je ne peux pas en parler techniquement. Parce que je sais, vous êtes des gens dans les fêtes. Vous êtes distraits. Vous êtes ailleurs. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas chez vous. Votre corps n'est pas chez vous. Vous pensez que vous êtes comme les autres. Après, quand le codin vient, il privatise vos îles. Il privatise les mers. Après, vous dites, il a privatisé ci et ça. C'est-à-dire, pour vous défendre, pour vous, vous ne foutez rien. Vous voulez l'autonomie dans la dépendance. Donc, vous serez des esclaves continuellement. Comme, effectivement, ce qui se passe dans ces zones-là. La Réunion, etc. Les Caraïbes, dans tous ces pays, Martinique, Guadeloupe, je sais même pas, il fallait dire Cuba, Guyane, etc. Vous n'êtes pas sérieux, en fait. Parce que aussi, beaucoup ont peur du phénomène Haïti. Ils ont peur que Haïti se répète chez eux. Parce qu'ils ont peur que la France ait demandé une dette de reconnaissance. Ils ont peur que ces voleurs les demandent la dette. Vous voyez? Vous n'êtes pas sérieux, en fait. Donc, si on revient à la lecture, il dit ceci. Donc, il y a des Sénégalais, ça arrive. Bon, je ne sais pas pourquoi il a pris l'exemple du Sénégalais, mais on va prendre cet exemple. Qui veut effectivement se faire accepter en prenant l'accent caribéen, donc en parlant créole. Parce qu'il sait qu'ils sont plus acceptés qu'autre chose. Donc, du moins, tolérer, c'est pas qu'on vous aime. Tolérer, ça veut dire que on vous accepte pour certaines conditions. Donc, sans ces conditions, vous ne serez pas accepté, en fait. Donc, vous êtes... où est-ce que je veux dire? Et donc, pour lui, c'est une aliénation. Pourquoi? Parce que, en fait, au travers d'apprendre le créole, il veut juste être aimé et vu par le caucasien type européanus. Et l'entier derrière, lui, il se sert de cela pour se moquer de son frère sénégalais. Ce qui est techniquement une erreur terrible. Pourquoi? Parce que c'est un manque de discernement, c'est-à-dire, il n'arrive pas à comprendre la situation. Et donc, du coup, moi, je dirais même que c'est de l'aliénation aussi, en fait. C'est de l'aliénation morbide, ça. Parce que dans les deux cas, c'est du pareil au même. Parce que il se moque de son frère. Parce que vous savez que, moi, je vais pas vous mentir. Ma tante m'avait dit que les Caraïbéens, à une époque, et je suis sûr que c'est encore présent, se moquaient des Africains parce que, paraît-il, d'après le narratif des Caucasiens qu'ils écoutent au quotidien, qu'effectivement, on vivait dans la jungle et la savane et qu'eux, effectivement, comme ils ont été colonisés, ils étaient fiers d'être colonisés par les Éphériens, qu'eux, ils étaient bien. Donc, du coup, ils dévisageaient effectivement les mélanodermes d'Afrique et donc, eux, ils se pensaient extrêmement haut. C'est une vérité ce que je raconte. C'est pas une histoire, c'est pas un mensonge. Et vous le savez très bien. Vous le savez très bien, en fait. Donc, les Caraïbéens, ne fuyez pas votre histoire parce que c'est une vérité.
dont il y en a qui prenaient des mélanodermes de haut et qui disaient effectivement qu'ils étaient des gens exceptionnels parce qu'ils sont une colonie de la France, c'est-à-dire des zones d'outre-mer. Vous savez ce que veut dire zone d'outre-mer? On reviendra plus tard. On continue la lecture. Comme on le voit, nous n'avions pas tort de penser qu'une étude des langages chez le caribéen pouvait nous révéler quelques traits de son monde. Nous l'avons dit au début, il y a rapport de soutènement entre la langue et la collectivité. Parler une langue, c'est assumer un monde, une culture. Le caribéen qui veut être le codem type européanus le sera d'autant plus qu'il aura fait sien l'instrument culturel qu'est le langage. Donc il pense qu'au travers de la langue, il pourra devenir le caucasien. Donc, je me souviens il y a plus d'un an, à Lyon, après une conférence où j'avais tracé un parallèle entre la poésie noire et la poésie européenne. De ce camarade métropolitain me disant chaleureusement, deux points j'ouvre les guillemets, « Au fond, tu es un blanc. » Le fait pour moi d'avoir étudié à travers la langue du caucasien, un problème aussi intéressant me donnait droit de citer. Historiquement, il faut comprendre que le noir veut parler le français, car c'est la clé susceptible d'ouvrir les portes, qui, il y a 50 ans encore, lui était interdite. Aujourd'hui, sachez que ça servira plus à grand chose de parler le éphérien. Apprenez vos langues, mes frères. Apprenez vos langues. Apprenez vos langues. Ça ne servira plus à rien bientôt, cette langue. Et ce que je dis, c'est pas faux. Même si on vous a dit que, oh, vous avez suivi le locodème, j'avais posté cet extrait de ce locodème qui était fier que la colonisation avait permis l'expansion à la langue française. Eh oui, il est passé dernièrement sur Afrique Média. On va passer l'extrait, peut-être que ça pourra un peu vous revivre le cœur. Le nombre de locuteurs de français dans le monde est en très forte croissance. Depuis les années 80, il y a eu une multiplication par 3 en gros. On est désormais à peu près, on est passé d'à peu près 109 millions de locuteurs francophones à la fin des années 70 à désormais quelque chose aujourd'hui aux alentours de 320 millions de locuteurs francophones, essentiellement grâce à la vigueur de la démographie dans les pays d'Afrique francophone. D'ailleurs, les autres pays du monde ne s'y trompent pas. En Chine, en Russie, même, je crois, en Inde, etc., on développe l'apprentissage du français. Donc, vous avez suivi l'extrait. Vous voyez à quel point c'est grave quand vous n'étudiez pas votre langue. Parce qu'ils vont l'utiliser contre nous. Et donc, c'est important. C'est important que vous compreniez, au-delà de toute la subtilité, comment est-ce que le éphérien veut continuer à vivre au travers de vous. Parce qu'ils savent que bientôt, ils ne seront plus. Donc, au travers de vous, il veut continuer à vivre. C'est du parasitisme mortifère. Ce sont des parasites qui sucent le sang à mort. Ce sont des vampires. C'est du vampirisme total, dans tous les sens. Dans tous les sens. Ils vous ont tout volé. Maintenant, ils veulent vous voler votre culture, votre origine. Tout volé, en fait. Ce sont des vampires. Ce sont des vampires. Dites que ce sont des gens qui font des vidéos en mode « Il faut sortir de là, Mac nous énerve. » Il n'est pas différent de Mac. Où est la différence entre lui et Mac? Hein? C'est peut-être l'âge. Au-delà de l'âge, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est une continuité génétique. Il n'y a pas de différence. C'est ça que j'ai dit, que vos histoires des ultra-riches, machin, c'est pas ça la différence. Les pauvres ont des idées pires que les oligarques. On leur donne de l'argent, ça va en vriller. Tout cela, ils se ressemblent. Qui se ressemble, s'assemble. Et qui ensemble, finira ensemble. C'est comme ça, c'est la loi. Donc, le mélanoderme qui ne comprend rien, qui veut étudier la langue française, l'étudie parce qu'il veut ressembler au français. Il veut devenir le français de souche. Il veut devenir le germain. Et il sera prêt à tout pour le faire. Donc ça, c'est un aliéné pur. Ça, c'est Seda Senghor. Il ne s'agit pas. Moi, je ne vois pas que les Caraïbes. Je vois tous les Noirs perdus de la sorte. On pourra en citer les noms, mais on va rester calme. Donc, du coup, il dit ceci. Nous retrouvons chez les Caribéens, entrant dans le cadre de notre description, une recherche
de subtilité, de rareté du langage. Autant de moyens de se prouver à eux-mêmes une adéquation à la culture, dans la culture éphérienne. On dit, les orateurs entiers ont une puissance d'expression qui les serait pantelant les Européens. Pantelant les Européens. Une expression que je ne connais pas. Ça veut peut-être dire épatant, etc. Bon, je pense, parce que je ne comprends pas moi non plus le français. Donc, il me revient un fait significatif. En 1945, lors des campagnes électorales, Aimé Césaire, candidat à la députation, parlait à l'école des garçons de Fort-de-France. Devant un auditoire nombreux, au milieu de la conférence, une femme s'évanouit. Le lendemain, un camarade relatant l'affaire, le commentant de la sorte, deux points, j'ouvre les guillemets. Français a été tellement chaud que la femme l'a tombé mal qu'a dit. Puissance du langage. Puissance du langage. Quelques autres traits fait, méritent de retenir notre attention. Par exemple, M. Charles-André Julien, présentant Aimé Césaire. Deux points, j'ouvre un guillemets. Un poète noir agrégé de l'université. Ou encore tout simplement, le terme de grand poète noir. Grand poète noir. Limite. Il y a dans ces phrases toutes faites ce qui semble répondre à une urgence de bon sens. Car enfin, Aimé Césaire est noir. Et il est un poète. Vous vous rappelez ma séance sur les Coréens? La fille à la fin, là, Moon, elle disait, « Je suis une grande femme noire. » Toujours ajouter ça. Il y a un problème, moi je vous dis. Il y a un problème, c'est parce que ce monde-là, le monde locodermique, ne vous renverra toujours, toujours, toujours à votre génétique. Je ne dirais pas couleur, il ne s'agit pas de couleur ici, il s'agit de votre génétique, il s'agit de votre biologie. Le monde locodermique est anti-mélanoderme, donc chaque fois qu'ils feront des précisions, ils font des précisions clairement de votre génétique, de votre biologie, de votre ADN. Eux étant de la même, du même phénotype, donc c'est normal. Vous étant d'un phénotype totalement différent, c'est normal qu'ils précisent cela. Parce qu'ils savent techniquement que vous n'êtes pas eux. Et eux, ils savent qu'ils ne seront jamais vous. Même s'ils s'approprient votre énergie dans les vampires. Et donc, c'est pour ça que cet exemple de Monsieur Charles de je ne sais plus quoi, Monsieur Charles de truc, est obligé de préciser effectivement la génétique de la personne dont il parlait. Parce que sinon, effectivement, ça va être bizarre. Parce qu'il s'agit d'un mélanoderme dont il parle. Vous voyez, c'est une réalité, les gars. Nelson Mandela, le premier président noir, fait manani nanana. Martin Luther King, le premier noir à vouloir l'union, nanana. Toujours les faibles. Obama, le premier président noir, alors que Obama n'est même pas noir. De un, il est métis, il n'est pas noir. Il est Michelin. Il n'est pas mélanoderme. Il s'est mélanodermisé au travers de Michelle Obama. Donc, pour mélanodermiser ses enfants, dont une est folle, elle va partir avec le locoderme. Et l'autre, elle est rentrée, elle a continué la vision mélanodermique. Moi, je ne suis pas dans One Drop Rule, si c'est One Drop, je ne sais pas quoi là. Et donc, il continue en disant ceci. Il faut qu'on finisse absolument ce chapitre. Parce qu'on doit parler du métissage. Donc, une subtilité qui se cache, un nœud qui persiste. J'ignore qui est Jean-Paul. Sinon qu'il écrit des ouvrages fort intéressants. J'ignore quel peut être l'âge de Kalua. Excusez-moi, je ne sais pas. Ne retenant que les manifestations de son existence, dont il raille le ciel de temps à autre, et que l'on ne nous accuse au point d'anaphylaxie affective. Ce que nous voulons dire, c'est qu'il n'y a pas de raison pour que M. Breton dise de Césaire, c'est un... je vois les guillemets. Et c'est un noir qui manie la langue française comme il n'est pas aujourd'hui. Un blanc pour la manier. Ça, c'est quelle phrase? C'est bizarre, non? Pourquoi il dit ça? Est-ce qu'il est obligé de le dire?
Vous savez, je vous ai dit, le problème du locoderme, c'est la négrophobie. C'est qu'ils sont négrophobes. Locoderme est négrophobe. C'est pour ça qu'il est toujours dans ça. C'est pour ça qu'il parlait de c'est quoi la couleur réelle des Égyptiens anciens? Qui sont les véritables? Comme ils ne peuvent pas dire Camille ou Camille, etc. Alors, ils vont dire les Égyptiens anciens parce que c'est la convention. La convention dit de dire Égyptiens anciens. On ne peut pas dire le mot Kémet parce que si on revient à Kémet, ils vont dire ça veut dire terre noire. Alors, on aura une justification en fait. Donc, du coup, ils vont dire les Égyptiens anciens. Conscients. Ils sont obsédés par l'ADN. Ce sont des programmes créés pour ne parler que de ça, en fait. Tout, ce n'est que ça. Ils sont programmés que dans ça, en fait. Mépris perpétuel, précision des trucs, à la con, en fait. C'est pour ça qu'ils font des trucs sur la diversité. C'est eux qui ont créé ça. On vous a dit qu'un noir s'est levé à créer les notions de diversité, mixité sociale. Mixité, machin, c'est le codeur qui crée ça. Tous les jours, il crée des trucs bizarres. Parce qu'il a un problème. Homme de couleur, femme de couleur, racisé, racisé. Vous imaginez ça? Toujours des vocabulaires con, en fait. Con, connard. Excusez-moi. Ils sont que dans ça, en fait. C'est tout. Que l'ADN, leur mot préféré, c'est eux qui ont créé ce qu'on appelle vulgairement le racisme, l'anthropologie, qui est en fait la science négrophobiale. Négrophobiale, effectivement, la science anticaucasoïde, mongoloïde. En même temps, ils insultent leurs propres frères. Donc moi, j'ai envie de dire que l'Européanus a un problème dégénérescent profond. Dégénérescent profond. Aujourd'hui, il est retombé amoureux de sa mongoloïde, là. Qui l'insultaient matin, midi, soir, avec leur nez, avec leurs dents, avec leurs yeux brisés. Aujourd'hui, c'est eux qui sautent partout comme ça. Ils sont partis chercher une femme en Corée du Sud, au Japon, là. Obsédés de la différenciation ADN. Obsédés de la différenciation génétique. Nous fatiguent avec leur est-ce qu'il est blanc, noir? En fait, c'est pas que, oh my God, c'est pas que you are black, you are so. Et pour dire, ouais, je ne sais même plus si j'ai pitié. On va juste finir le chapitre. Et quand bien même Monsieur Breton exprimerait la vérité, je ne vois pas en quoi résiderait le paradoxe, en quoi résiderait la chose à souligner, car enfin Monsieur Aimé Césaire est martiniquais et agrégé de l'université. Il est vrai qu'il a agrégé l'université, mais c'est le fait de dire mélanoderme. Était-il obligé de le préciser? Hein? Premier architecte noir. C'est eux qui ont mis ça. Hein? Et vous voyez, comme c'est comme aux États-Unis, où les Noirs américains qui répètent, première femme noire. Machin. Vous êtes quoi, en fait? Vous n'êtes pas des gens. Vous n'êtes pas des gens. Vous n'êtes pas des gens. Vous êtes des gens, en fait. Ne tombez pas dans le piège du locoderme. Lui et sa folie de l'ADN. Encore une fois, nous retrouverons Monsieur Michel Lewis. Deux points, j'ouvre les guillemets. S'il y a chez les écrivains antillais volonté de rupture avec les formes littéraires liées à l'enseignement officiel, cette volonté tendue vers un avenir plus aéré ne saurait revêtir une allure folklorisante, désireux avant tout, littérairement de formuler le message qui leur appartient en propre, et quant à quelques-uns, tout au moins, d'être les porte-parole d'une vraie race aux possibilités méconnues. Et les derniers, l'artifice que représenterait pour eux, dans la forme intellectuelle, s'est opéré à travers le français de façon presque exclusive. Le retour à un parler qui ne pourrait plus guère employer que comme une chose apprise. Laissons tomber. Mais me rétorqueront les Noirs, c'est un honneur pour nous qu'un caucasoïde européanus comme Breton écrive pareille chose. Continuons. Oui, parce qu'il y en a. Quand le locoderme dit ça, oh my God. Oh my God, qu'est-ce qu'on est fiers. Donc, c'est sur cela que, effectivement,
Le chapitre est fini. On va quand même essayer de revenir sur ce qu'a dit ce monsieur Lewis. Il dit s'il y a chez les écrivains caribéens, bon, on va dire les mots qu'il a employés, entiers, volonté de rupture avec les formes littéraires liées à l'enseignement officiel, donc par rapport à ce que l'école caucasienne leur apprend là-bas aux Caraïbes, parce que je pense pas que l'école caribéenne apprend la même chose que dans ce qu'ils appellent la métropole, parce que comme on avait lu le chapitre sur les enfants de Davos, l'école n'apprend rien. Elle n'apprend rien pour aider les gens, en fait. Et donc, peut-être que les gens du niveau de Césaire ont voulu dépasser ce que le système qu'on les donnait aux Caraïbes les apprenait, donc c'est-à-dire rien. Voilà. Et donc, il avoue de manière implicite dans cette phrase qu'effectivement, l'école de la République éphérienne n'apprend rien de rien, rien de rien à ces gens des Caraïbes qui préfèrent avoir l'autonomie que de vouloir avoir l'indépendance. Voilà, ils veulent l'autonomie que l'indépendance. Je répète, ils veulent l'autonomie que l'indépendance. C'est pour ça que le chlordécone, vous l'avez encore, 3 points de suspension en fait. Donc du coup, il dit, désireux avant tout littérairement de formuler le message qui leur appartient en propre et quant à quelques-uns tout au moins être les porte-parole d'une vraie race, d'être les porte-parole d'une vraie race aux possibilités méconnues. Ils dédaignent l'artifice que représente pour eux, dont la formation intellectuelle s'est opérée à travers le français de façon presque exclusive. Le recours à un parler qui ne pourrait plus guère employer que comme une chose apprise. L'éducation. L'éducation. L'éducation du mélanoderme est un échec cuisant, terrible, et dont le fond du fond est terrible. Donc, effectivement, ici, on a fini effectivement avec ce chapitre. Donc, on rappelle le problème. Le problème, c'est effectivement que le mélanoderme est tombé dans un piège, le piège du langage. Il se dit que s'il apprend de manière propre, de manière forte, de manière avec toute sa volonté, la langue éphérienne deviendra un français. Il deviendra enfin ce locoderme. Effectivement, il oublie que oui, tu peux maîtriser cette langue. Oui, effectivement, tu peux la parler, la surparler, la dépasser, comprendre tous ces éléments, mais tu ne seras pas un éphérien. Et on a aussi compris que maintenant, c'est créer une dualité. Il y a la dualité entre celui, effectivement, qui veut entrer dans l'assimilation, l'intégration, le mépris de lui pour devenir l'autre, et on a celui qui veut rester dans son originalité, même s'il a compris les tenants et les aboutissants du système, la situation. Donc, ce qui créera un choc entre les mélanodermes, ce qui crée cet effet des mélanodermes qui se détestent, parce qu'il y en a d'autres qui se sentent éphériens, ils veulent être éphériens, ils y croient, ils y espèrent, ils surespèrent, ils veulent à demeurer le devenir. Et ça crée ces délires, ces Ouattara, ces phénomènes, ces Macky Sall, Macky, où es-tu en fait? Où es-tu, Macky, où es-tu? Ça crée les Umbalo Sissoko, ces noirs bateaux, ces noirs sans fond, ça crée des mélanodermes sans fond, ça crée des traîtres, ça crée des perdus, ça crée des menteurs, ça crée des vauriens, ça crée des mythomanes, des traîtres, ça crée tous ces problèmes-là. Ces gens qui croient de manière forte qu'effectivement ils ont raison alors qu'ils ont tort, alors qui va s'occuper de notre culture, qui va s'occuper de notre langue si vous partez ailleurs avec, effectivement, on voit le problème qui s'étend entre les Caraïbéens, avec les mélanodermes d'Afrique, effectivement, alors que la situation est de se rétablir à nous-mêmes. Quand des grands enseignants locodermiques, pour parler d'Aimé Césaire, ils auraient pu dire, voici Aimé Césaire, professeur agrégé de l'université de tel, 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 non, il dit, professeur noir ou il dit grand poète noir. Était-il obligé de le dire? Donc, nous, alors, on va faire la même chose. Hein? Quand le coderme va être diplômé en Afrique, on va dire, voilà Jean-Philippe Machin, grand poète blanc, non, le coderme white. White. Voilà. Agrégé. On va préciser, alors,
On va voir s'il va se sentir à l'aise. Je ne sais pas si, je sais pas comment vous vous sentez quand on vous dit des choses comme ça, surtout venant d'un locataire. Surtout qu'il reprécise, surtout qu'il reprécise encore. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème, c'est que vous êtes mélanodaire. C'est ce que ce chapitre veut dire, le langage et le nègre. N'oubliez pas cette phrase. N'oubliez pas cette phrase. On va relire cette phrase ensemble. Ce que nous affirmons, c'est que l'Européen a une idée définie du noir. Ce que nous affirmons, c'est que l'Européen a une idée définie du noir. On revient sur les grands passages de ce chapitre. Il a aussi dit sur ce passage que non, parler petit nègre, c'est-à-dire parler ce qu'on appelle le langage tirailleur, parler petit nègre, ce que j'avais expliqué un peu plus il y a quelques mois, il y a un an, c'est enfermer le mélanoderme, c'est perpétuer une situation conflictuelle où ce qu'on appelle le blanc infeste le noir de corps étrangers extrêmement toxiques. Dans le locoderme, en continuant à se moquer du mélanoderme, par ce phénomène, continuera effectivement ce sentiment de hauteur de chez lui et l'infériorité du mélanoderme. Et on verra des mélanodermes qui vont se battre en mode. Pourquoi t'aimes pas la France? Pourquoi t'aimes pas la France? J'aime ce pays, il est magnifique. C'est grâce à ton or, c'est grâce à ton territoire et à l'idiotie des mélanodermes qu'on a rendus idiots qu'effectivement, ils ont créé la richesse. Même Jacques Chirac l'avait dit. Il a même dit, tôt ou tard, les Fériens vont le payer. Ils vont le payer tôt ou tard, en fait. Et ça va se faire que tu pleures, que tu cries, que tu essayes de tout faire pour la nationalité, payeront. C'est-à-dire, ils vont le payer en fait. Le tribut existe, le karma existe, peu importe le temps. Donc il dit ceci. On va lire tous les grands passages intéressants. Oui, aux Noirs, on demande d'être bon négro. Ceci posé, le reste vient tout seul. C'est-à-dire le mépris de soi, le mépris, etc. Et tous ces mélanodermes qui se sont entre-déchirés pour plaire au locoderme, c'est ça qui dit ceci, poser le reste vient tout seul. Le faire parler petit nègre, c'est l'attacher à son image, donc l'image faussement créée, l'engluer, l'emprisonner, victime éternelle d'une essence, d'un apparaître dont il n'est pas le responsable. Dont il n'est pas le responsable. On va le créer victime éternelle d'un phénomène qu'il n'a même pas créé, c'est-à-dire le petit négro. C'est une stéréotypie. C'est un archétype. Il nous avait aussi parlé de ces mélanodermes qui veulent coûte que coûte montrer et prouver au locoderme leur historique. Ça sert à quoi en fait? Rien. Ça ne sert à rien. On va aussi parler des petites expressions qu'ils utilisaient. On va s'arrêter là. Fanon nous avait parlé de quelques techniques que le locoderme utilisait, c'est-à-dire quand on parle au mélanoderme, c'est-à-dire voilà, comment est-ce qu'on doit parler au mélanoderme ou à l'étranger des zones africaines. Il dit ceci. On avait cet exemple qu'on aimait citer, c'est-à-dire ce jeune garçon qui est parti à l'église catholique, il voulait aller prier, et après il a vu ce locoderme prêtre, il pensait que voilà, c'était un prêtre normal. Voilà ce que le prêtre locoderme lui a dit. Deux points, j'ouvre les guillemets. Toi, qui t'es grand de savane, pourquoi est venu avec nous? Eh oui, le prêtre locoderme. Il y a encore ces petites méthodes. On va lire. La première méthode numéro 1. Les Noirs, je les connais. Il faut s'adresser à eux gentiment. Leur parler de leur pays. Savoir leur parler. Telle est la question. Voyez plutôt. Ah mon Dieu, je connais l'Afrique. Cela en Afrique. Je sais comment ça se passe en Afrique. Les Africains, oh my God. C'est comme ça que vous réussissez.
C'est ce qui est dit ici. Donc nous n'exagérons pas. Un blanc s'adressant à un nègre se comporte exactement comme un adulte avec un gamin et l'on s'en va minaudant, susurrant, gentillonnant, câlinotant. Ce n'est pas un blanc que nous avons observé, mais des centaines. Et nos observations n'ont pas porté sur telle ou telle catégorie. Mais nous prévalons d'une attitude essentiellement objective. Nous avons voulu étudier ce fait chez les médecins, les agents de la police, les entrepreneurs, les chantiers, sur les chantiers. Et nous, et l'on nous dira, oubliant de cela, notre but, que nous aurions pu porter notre attention ailleurs, qu'il existait des leucoderme, n'entrant pas dans cette description. Et donc, prends son nom intelligent, il a dit, nous reprendrons, nous répondrons à ces objecteurs, que nous faisons ici le procès des mystifiés, des mystificateurs, des aliénés, et que s'il existe des leucoderme qui se comportent sainement avec un noir, c'est justement le cas que nous n'avons pas à retenir. Ce n'est pas parce que le foie de mon malade fonctionne bien que je dirais les reins sont sains. Vous avez compris? C'est pas parce que dehors là, hein, on connaît, on vous connaît. Oh, le codem, celui qui m'a soutenu dans mon business, il venait toujours me parler, m'a aidé. Ce n'est pas parce qu'il vient vous voir ou vous aider et qu'il vous parle bien et qu'il vous ouvre les portes, qu'il vous offre des fleurs, que ça veut dire qu'il n'est pas dans la case de la situation dont on vous parle. Il est dans la case. Il suffira que vous fassiez l'erreur que vous ne devez pas faire. Vous allez voir qu'il dira des choses que vous ne pourrez même pas imaginer et vous direz, ce n'est pas possible. C'est au tournant. C'est une double face. C'est une double face. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Et les mélanodermes qui aiment les flatteries du leucoderme, sans savoir que ce sont des injures, s'en va, minaudant, susurrant, gentillonnant, câlinotant. Oh my God, oh my God. C'est là qu'il dit, c'est extrêmement grave. Et après, il y a cet exemple chez le médecin. Parler aux nègres de cette façon, c'est aller à eux, c'est les mettre à leur aise, c'est vouloir se faire comprendre d'eux, c'est les rassurer. Bonjour, mon ami. Ça, c'est un docteur qui parle. Bonjour, mon ami. Où y a mal? Hé, dis-moi un peu. Le ventre, le cœur. Il parle avec l'accent. Les salles de consultation, c'est le leucoderme. Quand il sait qu'il a affaire à un mélanoderme, il ne se dit même pas que ce gars, peut-être qu'il est, il vit ici, il est né là. Non, non, non. Même si ça a changé, c'est plus techniquement ce qui se passe quand vous allez dans les hôpitaux. Peut-être dans les Caraïbes, c'est comme ça qu'ils vous parlent. Peut-être les médecins leucodermes, mais en Afrique, c'est comme ça qu'ils parlent. On ne sait jamais. Mais pas en FR, ça dépend. Mais pas en FR. Donc, on a bonne conscience quand la réponse, c'est-à-dire, il veut dire par là que leucoderme a bonne conscience lorsque la réponse va dans le sens de la manière dont il s'est moqué de vous. Et donc, ce que le leucoderme dira derrière à ses autres médecins, parce que derrière entre le leucoderme, ça bavarde, ils disent ceci entre eux. Vous voyez, on ne vous raconte pas de blagues, ils sont comme ça. Voilà, un petit riz, snobina, bourgeoisie, tout ce que vous voulez en fait. Vous allez dans un café, il y a toujours un leucoderme mal poli. Toi, Africain, Dakar, refuse que bordel, femme, café, mangue, banane, qu'est-ce que ça veut dire? Et quand vous lui parlez bien, il dit ceci, sale nègre, tu ne faisais pas tant d'important dans ta bourse. Donc vous voyez que quand vous n'êtes pas dans l'archétype, le stéréotype décrit, hein, il y a un autre langage. Le codem va s'exprimer avec vous d'une certaine manière. Soit il va être violent pour vous, c'est-à-dire il va être brusque parce qu'il sait que vous avez compris sa manière dont il vous parle. Soit ils vont passer maintenant à la phase de la sournoiserie, la phase du renard, le renard. Et donc effectivement, c'est sur ça que nous allons nous arrêter. Je vous dirai derrière,
Maîtriser vos langues et maîtriser aussi la langue française, les langues que, voilà, pour détecter le piège. Pour détecter le piège. Voilà. Donc, beaucoup vont me détester, beaucoup non, bon, après, je m'en fous, voilà, de toute façon, voilà. Et dit, c'est comme ça. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager la podcast, et je vous remercie infiniment. Et donc, biba à vous tous.